Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Je vous remercie surtout d'avoir pris le temps de cliquer sur le lien afin d'écouter cette vidéo-là. Alors, vous êtes intéressé d'entendre mon avis sur le jeu Kingdom Rush. Alors, Kingdom Rush, qui est un jeu de la compagnie Lucky Duck Games, qui, dans le fond, reprend beaucoup d'idées derrière le jeu vidéo. Donc, le jeu mobile Kingdom Rush, qui est un jeu qui est... Je vous dirais, je pense vraiment que c'est un des meilleurs Tower Defense qui existe sur le marché au niveau des jeux sur téléphone cellulaire. Donc, je pense pas que c'était pas facile, je pense, de reprendre le concept qu'il y avait derrière ce jeu vidéo-là et de le placer, donc, concrètement dans un jeu de société. Et puis, ben voilà, c'est ce que ça l'a donné. Donc, c'est un jeu qui arrive dans une grosse boîte qui a quand même quelques figurines, figurines qui sont cette fois-ci excessivement utiles et nécessaires parce qu'on a besoin de la base pour cacher les méchants sur les différentes cartes. Fait que, ben, je vais vous dire très rapidement ce que je pense du jeu. Donc, premièrement, la petite poutine habituelle. Donc, ce jeu-là, je me suis procuré avec ma propre argent. Donc, c'est pas une commandite. Ça ne vient pas non plus de la compagnie. C'est un jeu que j'ai pris donc en anglais. Et je pourrais vous dire que j'ai joué 6 parties, tout en solo. Hein. Je n'ai joué qu'en solo à ce jeu-là, Kingdom Rush. Mais je pense qu'après 6 parties, je peux vous dire que j'ai pas mal... J'ai bien fait le tour des règles, là, puis je suis capable de vous dire un petit peu ce que je pense. C'est presque une première, deuxième impression rendue là. Fait que je vais commencer par vous parler au niveau du matériel. C'est un peu bizarre parce que c'est un jeu qui, quand j'ai fait le déballage, ben, en fait, quand j'ai ouvert la boîte, ça ne m'a pas impressionné. Mais d'un autre côté, plus je joue avec le jeu et plus j'apprécie le matériel. Donc, c'est un jeu qui est essentiellement composé de tuiles pour faire le chemin qui va mener vers notre royaume. Puis tout ça est composé de petits cartons comme ça qui sont quand même épais avec un petit fini de protection. Mais c'est très minimaliste. Il n'y a rien nécessairement sur les chemins, mais ça va. Les monstres sont représentés par des cartes qui sont une qualité intéressante qu'on doit avoir besoin quand même de brasser une fois de temps en temps, mais pas tant que ça, mais c'est correct. C'est des cartes qui passeront pas à l'histoire au niveau de la qualité, mais ça fait la job, ça fonctionne bien. Puis pour ce qui est du reste, les figurines, bon, encore une fois, c'est pas les figurines les plus détaillées, mais là, par contre, ces figurines-là sont très, très, très utiles. Puis c'est correct, ça fonctionne aussi très, très bien. Puis là, ben, on arrive avec ça ici. Puis là, ben, je vous dirais que ça, ces petites tuiles-là en plastique, au début, je me demandais vraiment pourquoi on mettait ça, puis je trouvais ça tellement quétaine. Mais finalement, ça a une utilité très importante. Et l'utilité, c'est très simple, c'est qu'on met les ennemis dedans. Puis à chaque fois qu'on va mettre des tuiles, ben ça reste à l'intérieur. Donc, s'il arrive quelque chose, ils vont pas se ramasser n'importe où sur votre plateau. Donc, c'est une belle considération, puis j'apprécie ça. Puis finalement, ben, la dernière chose, c'est les cartes qui représentent les différentes tours. D'une certaine façon, ils sont de très bonne qualité. Ils sont comme le carton, on dirait qu'il est un petit peu plus épais que ce qui est formé de ces cartes-là. Peut-être que c'est moi qui se trompe. Non, ils sont définitivement un petit peu plus épais. Mais ça fonctionne bien. Puis le pire, c'est que ceux-là, on les brasse pas, ces cartes-là. Mais ils sont petites, mais ils fonctionnent bien et c'est très clair. Bon, le jeu, c'est pas compliqué. Dans le fond, vous devez empêcher que les ennemis arrivent dans votre royaume. C'est un tower defense. Donc, il faut placer des tours. Les tours vont avoir des dommages de différents types, dépendamment du type de tour que vous allez placer. Et ce qui est très, 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 très original et que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est un jeu avec un concept de Tetris, alors qu'on va placer des tuiles pour cacher les ennemis. Parce que le côté artistique du jeu, c'est correct. Je veux dire, ça passe, mais tu sais, c'est sûr que quand je regardais ça, je pense que c'était les tuiles des méchants qui me faisaient pas si triper que ça. C'est très brun, hein? C'est très, très brun comme couleur. C'est pas super attrayant, mais
autre, une fois qu'on a passé ça, là après ça, c'est le fait que, dans le fond, nos tours vont tirer, puis ils vont tirer des dommages qu'on va mettre sur les méchants, puis ça va cacher des espaces. Puis c'est vraiment très bien fait parce qu'ils ont réussi à vraiment s'organiser pour que les tuiles fassent vraiment la bonne grandeur sur les tuiles des méchants. Donc, ce qui rend vraiment le placement de ces tuiles style Tetris beaucoup plus facile. L'iconographie, elle est très, très bien faite. Et là, je parle de l'iconographie sur les cartes des tours. L'iconographie des méchants. Donc, il y a des méchants qui vont plus rapidement. Il y a des méchants qui vont redonner de la vie. Il y a des méchants de toutes sortes qui ne souffriront pas faire de dégâts si par la magie, par des dégâts physiques. Tout est très, très clair. Comme ici, le Howitzer, il y a un dégât physique dessus. Nos mages, ce sont les seuls qui font des dégâts de magie. L'iconographie, elle est vraiment super bien réussie à tous les niveaux, à tous les points de vue. Ça marche très bien. Et qu'en est-il de la jouabilité? C'est vraiment le fun. Je vous dirais honnêtement, après avoir joué 6 parties, c'est un jeu qui est très difficile. C'est pas pour n'importe qui. Il faut que vous aimiez les jeux de casse-tête. C'est un jeu de casse-tête. OK? Je vous le dis tout de suite. Vous allez vous installer, vous allez réfléchir. Et si vous jouez avec d'autres personnes, c'est un jeu qui est coopératif. Vous allez réfléchir ensemble comment vous allez accomplir la mission. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de réflexion. Et tout tourne vraiment autour du fait qu'il faut briser des portails. Puis les portails, ben, ils vont détruire nos tours. Les autres ennemis ne vont pas détruire nos tours. Donc, on va toujours ramener nos tours dans notre main à la fin du tour. Mais les portails vont les détruire. Donc, il faut, dans le fond, qu'on soit capable de se construire, de se constituer une bonne quantité de ces tours-là pour pouvoir combattre les portails et combattre les ennemis en même temps, tout en réfléchissant sur les tuiles qui vont bouger en rapidité 2, donc qui vont passer par-dessus les autres. Beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à penser, mais c'est le fun. C'est un jeu de puzzle. Disons-le, c'est un jeu de casse-tête. Les scénarios sont cool, les scénarios nous rajoutent toujours un petit peu plus à chacun. C'est sûr que je ne me suis pas rendu loin. C'est pour ça que c'est une première impression. Je vous dirais que je me suis rendu au scénario 2. Mais j'ai toujours eu du plaisir à jouer puis à recommencer. Puis ça se place peut-être. C'est peut-être un petit peu long à placer comme jeu. Puis un petit peu long à ranger. Mais une fois qu'on s'installe, ça se joue très bien. Puis j'aime ce jeu-là. Ouais, c'est un jeu qui change, c'est un Tower Defense qui fonctionne bien et qui est surtout le concept Tower Defense à son meilleur. Les héros ont toutes leurs habiletés spéciales, puis ils viennent avec leur spécificité qui est intéressante, ils viennent avec leur pouvoir aussi, qui rendent également le jeu très intéressant. Donc, puis le jeu solo se fait très bien. Aussi, je trouve que c'est un jeu parfait pour être joué en solo. C'est parfait, parfait. Mais je pense qu'il y a le concept coopératif qui est très cool que dans ce jeu-là, quand tu veux, par exemple, améliorer, si je veux améliorer, mettons, mon Marksman pour avoir le niveau 3, ben, j'utilise pas la carte. Et quand tu joues en solo, tu l'utilises pas. Tu la remets dans la réserve et tu prends un niveau plus haut que tu mets sur ton plateau que tu vas utiliser au tour suivant. Et quand on joue en coopération, ce qui est le fun, c'est que si je veux faire ça, c'est que je mets donc cette carte-là dans la réserve, je prends un niveau 3, mais je la donne à mon coéquipier qui va l'avoir au prochain tour. Et c'est comme ça qu'on améliore en multijoueur. Je trouve que c'est un aspect coopératif très intéressant qui change un petit peu de juste faire nos affaires de notre côté. Donc là, on peut vraiment réfléchir à notre stratégie ensemble. C'est un beau succès. C'est le fun. C'est drôle parce que ça m'a pris du temps avant de l'acheter, de me le procurer, ce jeu-là. Puis il a fallu que je regarde une vidéo, je pense, de Paul Rogan, donc qui m'a comme... que j'ai vu le jeu, puis j'ai fait comme... Ah, finalement, ça a l'air plus cool que je pensais. Puis je suis très content de me l'être procuré. Fait que je fais juste imaginer les extensions. Moi, je vais vous avouer qu'avec ma boîte de base, j'en ai assez. Marie, j'aimerais avoir les extensions de la boîte de base, là.
pour peut-être continuer, mais je sais qu'ils viennent de sortir un standalone extension que vous pouvez trouver sur GameFound. Si vous regardez cette vidéo-là au moment où elle sort, ou en tout cas, je ne sais pas exactement si la campagne sera terminée, mais c'est sûr que ça va sortir en magasin également. Mais dans la boîte originale, là, avec 10 scénarios, le fait qu'ils sont très difficiles, là, oui, tu sais, il y a ça là, qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que c'est très tough, ok? C'est difficile, c'est pas un jeu facile, c'est peut-être frustrant un peu, mais si vous prenez ça comme étant un défi, puis quand vous réussissez, vous êtes vraiment content d'avoir réussi, c'est un excellent jeu. Fait que voilà, c'était ma première impression pour le jeu Kingdom Rush Rift in Time. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire Le Valet de Cœur au www.levalet.com. Vous pouvez vous procurer la boîte de base en français ou en anglais de Kingdom Rush. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, bien, amusez-vous avec vos jeux de société. Et nous, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde.